Bien, ce n'est pas parce que c'est samedi qu'il ne faut pas faire le pont. Et à propos de pont, justement, nous avons reçu une lettre de Monsieur Monet qui nous demande quelques détails sur le pont de la Tuffière. Eh bien, monsieur, ce pont, vous le connaissez puisque vous y êtes venu, je crois. Ce pont, nous y sommes. Il est entre Arc-en-Ciel et Pozieux. Il enjambe la Sarine. Quelques détails, il a été inauguré en 1839. Jusqu'en 1908, il fallait payer une sorte de péage pour y passer. Sa largeur, eh bien, elle n'a pas changé depuis le début. Elle est toujours de 2,90 m. Ce n'est pas très large. On ne peut pas y croiser. En 1914, 46 communes ont fait une pétition pour demander de renforcer ce pont. Cela a coûté à l'époque 15 000 francs à l'État et 10 000 francs à ces communes. Jusqu'en avril 67, on pouvait y passer avec une charge de 3 tonnes. Et actuellement, cette charge a été limitée à 1,5 tonne parce que vraiment, le pont n'est plus très solide. Il faut bien le reconnaître. Il faut faire très attention à le traverser vraiment à l'allure du pas. Mais pour une promenade du dimanche, avec une petite voiture, je crois que vous pouvez y passer. Maintenant, Monsieur Monet, qui est très gentil, ajoute, je cite, « J'espère que cette question ne sera pas la cause, vu la hauteur du sujet, d'une chute du texte de vos présentateurs, ce qui serait assez étonnant, vu que ce sont des virtuoses du verbe. » Merci beaucoup, Monsieur Monet, vous êtes bien aimable. Maintenant, pour ce qui concerne la chute, ben écoutez... 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 Vous voyez que pour la chute aussi, M. Monet, on ne se défend pas trop mal, hein, malgré la hauteur.